ministre compte sur vous pour la sécurité. Agent Jafou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les enfants légitimes de celui que vous êtes en train d'enterrer. On ne vous connaît pas? On ne vous a jamais vu? D'où sortez-vous? Vous êtes des escrocs. Escrocs là! Il faut que vous arriviez vite, la foule veut lécher deux frères. Ok, on arrive. Garde-vous. Repos, princesse au boulot. Il semble qu'il y a une bagarre au cimetière. Quoi? Au cimetière? Mais décidément, les gens ne respectent plus rien. Au cimetière? Quel monde d'aujourd'hui? Allez, vite là. Oyou, dis-moi, tu sais pourquoi Poupette n'est pas venue ce matin? Ah, on a dormi en chambre hier nuit, donc elle est fatiguée. Elle a préféré se reposer. Quitte là-bas. Toi, tu t'es regardé. Hein, toi, gringalé comme ça, là, tu peux fatiguer une femme. Qui? Toi. Moi? Cours-toi, voir. Ah. Il va te courir. Cours-toi. Cours-toi, ah, bon. Donc, tu es pédé. Voilà. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'as pas de femme. Et puis, tu es mince comme ça, là. C'est parce que tu n'as pas de vitamine E. Je vais dire ça à Poupette. S'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce arrêtez, s'il vous plaît. T'es malade ou pas? Poupette, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? C'est eux qui ont fait la bagarre. Quoi? Vous n'avez pas honte? Fais la bagarre au cimetière. Embarquez-le. Oh, allez, ça. Et puis on se calme, hein. On se calme. Hein? On se calme. Hé, hey, voilà. On se calme. Hein? Je suis là. Allez, là. Allez, on se calme là. Allez faire la bagarre au cimetière. Hein? Je la vois de votre compte. Allez, allez, allez. Vous allez voir qui nous sommes ici. Et c'est quoi là? Allez, assieds-toi ici. Et toi là. Allez, assieds-toi. Vous écoute, allez-y. Notre soi-disant père a toujours refusé de nous reconnaître officiellement. Hé, hey, c'est de ton père que tu parles ainsi? Il vient d'être mis sous terre et il est encore frais.
Mon frère a raison. Il nous a toujours écartés. Et c'est notre maman qui s'est saignée à blanc pour nous aider à être ce que nous sommes aujourd'hui. Oh, du calme. Mais ce n'est pas une raison pour manquer de respect à un mot. Tu ne tues pas ton père. En Afrique, ça ne se fait pas. D'ailleurs, c'est faux ce qu'ils disent. Personne d'entre nous ne les connaît. Quoi? Et puis, on ne les a jamais vus. C'est des menteurs. Hein? C'est à cause de l'héritage. Mais on ne se laissera pas faire. Hé, hey, hé, hey, hey! Quelle honte. Sans te déchirer pendant que votre père vient d'être mis sous terre. Enfant maudit. Pouvez-vous apporter la preuve que c'est votre père? Pourquoi? On n'a pas besoin de preuves. Et les autres? Ont-ils apporté des preuves qu'ils sont effectivement les fils du défunt? Hé, hey, défunt là! Il s'agit de ton père, hein? Salope! On n'a quand même pas besoin de se promener avec des actes de naissance pour prouver qu'on a un père. Quoi? Du calme, brigadier. Mais il parle mal, hein? Impoli, là! Brigadier! Inspectrice? Tu amènes Soulé à aller chercher leurs papiers. Toi, à 10 là, tu attends dehors. Vous aussi, vous attendez dehors. Allez, dehors! Vous allez où comme ça? Ici, c'est pas le marché Rodoko. Hein. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu ne pas respecter la douleur d'une femme qui vient de perdre son mari? De plus, on vient d'enfermer ses enfants. Moi, je m'en fous de tout ça. Ici, on est au commissariat de Tampi. Et au commissariat de Tampi, on rentre pas sans passer par moi, Chouchou. Tu n'as pas pitié de ma douleur? La douleur? Est-ce que nous, on mange la douleur? Tu n'as pas honte, quoi? Tu vois pas qu'elle porte un deuil? Et alors? Madame, venez, je vous accompagne chez le commissaire. Faut pas les escroquer, hein. On se connaît dans ce commissariat là. Oh you, comment oses-tu traiter ainsi ma tante? Ta tante? T'as quoi? Belle-mère, pardon madame. De toute façon, on va régler ça plus tard. Tanti, viens. Qui? Moi? Toi poupette? Je ne te pardonne pas d'avoir laissé la police embarquer mes enfants. Mais Tati, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est eux qui ont fait des histoires? Je m'en fous. Moi, je ne veux parler qu'au commissaire. Ok, comme tu veux. Avec la police. Il veut que je prouve que je suis le fils de mon père. Hey, cette histoire ne finira donc jamais. Hein? Et Dieu, moi, Adja, est-ce que mes enfants tout ont besoin de prouver qu'ils sont les enfants de leur papa? Hein? Allah, oui. Adja, calme-toi. C'est là que ça suffit, madame. On veut les actes de naissance des enfants. Un point, c'est tout. Acte de naissance? Je n'ai pas d'acte de naissance pour prouver que ce sont les enfants du défunt. D'ailleurs, j'ai mieux que ça. Quoi? Ah bon? Madame, on peut voir ce que c'est? Ça, je ne le montrerai qu'en présence du commissaire. Vous m'attendez? Non, ce n'est pas nécessaire, madame. Si vous avez les extraits de naissance des enfants, ça suffit. Non. Comme ici, vous ne respectez pas les veuvages. Quoi? Nous allons aller nous-mêmes régler nos problèmes. Vous m'entendez? Tu me dis quoi encore? Cela fait plus de 20 ans de vie commune avec mon mari. Je n'ai jamais entendu parler de ses enfants. Ce sont des escrocs qui s'intéressent à l'héritage. Madame, calmez-vous. On est en train d'enquêter. Mais calmer? Ben oui. Jamais. Il n'est pas question de me laisser faire. Bon, écoutez. Vous allez retourner à la maison, continuer votre veuvage. Le temps pour nous de tirer cette histoire au clair. Il n'est pas question, je ne bouge pas tant qu'on n'enferme pas ces escrocs. Bien, bien. Alors, suivez-moi. On va aller voir où en sont les inspecteurs avec l'enquête. Allez. Cesse tes larmes, ma blessée sucrée. Et je te jure, c'est surtout qui voulait les escroquer. Et poupette, ne l'écoute pas. Tu sais, Oyu est sans cœur. Il respire avec ses fesses.
Tu vois, il a voulu escroquer ta tante malgré sa douleur. Vraiment. Maman, maman, qu'est-ce qui se passe? Hé, toi là, reste là-bas. Quand on aura besoin de vous, on va vous appeler. Vous deux, vous allez vous asseoir sur ce banc-là. Venez avec moi, madame, je vous en prie. Dieu du ciel, encore une veuve. Mais qu'est-ce qui se passe au commissariat de Tampi aujourd'hui? Toi ici, comment oses-tu? Je comprends tout maintenant. C'est parce que tu es ici que j'ai tous ces problèmes. Ah bon? Vous connaissez? Quelle est cette histoire? Moi, je voudrais qu'on m'explique. Pourquoi on doute de la filiation de mes enfants? Moi, une des épouses du défunt. Hein? Inspecteur, l'affaire est compliquée de... Une des femmes du défunt, c'est vrai ça? Oui, je suis une des femmes du défunt. C'est effectivement une des femmes de mon mari. Mais elle était stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfants. C'est pour cela qu'elle avait été chassée par mon mari. Menteuse! Moi, stérile? C'est à cause de ces mensonges et ces intrigues-là que j'ai quitté cet enfer. Tu m'entends? Et Issa, paix à son âme, a plutôt construit une maison où il me rejoignait. Ce sont des histoires. La preuve est qu'elle s'était remariée à un autre homme. Ça ne peut être que les enfants de cet homme. Moi, me remarier? Où est-ce que tu m'as vu me remarier? Menteuse, là! Oh, ça suffit! Ça suffit tout ça! Que chacune apporte les actes de naissance de ses enfants. Quel acte de naissance? Hé! L'inspecteur a raison. On veut les actes de naissance des enfants, sinon garde à vous. Pas question. Je n'ai rien à prouver, quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ok. Dans ce cas, vous rentrez chez vous. On vous convoquera pour la suite de l'enquête. Moi, en tout cas, je ne bouge pas d'ici tant qu'on ne règle pas cette affaire. Moi également, je ne pars pas de... Sinon, mon veuvage n'aura pas de sens. Quoi? Vous ne faites pas quoi? C'est ce qu'on va voir. Ne revenez pas ici sans les actes de naissance des enfants. Sinon, on vous met au nouf. Allez dehors! Allez dégager là, dehors! Regardez-moi ça, espèce de rapace. On va s'asseoir. Oh, les enfants là, restez calmes. Hein. Laissez notre maman tranquille. Elle n'ira nulle part. Quoi? Maman, on te soutient quoi qu'il arrive. À moi, c'est ça? Oui. Hé, hey, Oyou, Jacou, venez m'aider là. Allez, ils n'ont qu'à s'asseoir. Allez, vous asseoir là. Assis. Allez, vous asseoir. Allez, en bas. Regardez-moi ça. Dis calme. C'est Chouchou. Quoi? Des oncles paternels. Ne les laisse pas faire, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, madame? Brigadier, il faut m'aider. Ils sont en train de tout ramasser à la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les oncles, ils sont en train de tout ramasser à la maison. Ah, ils n'ont qu'à tout ramasser, c'est bien fait pour toi. Madame, il faut m'aider. Ils sont en train de ramasser toutes mes affaires à la maison. Non, c'est pas possible. Madame, venez avec moi. Jacou, en voiture. Les autres, vous restez en garde à vue ici. Brigadier. Oui, inspectrice. On va voir le commissaire. Ok. Personne ne bouge ici. Hé, toi là. Tu es policier? Quoi? Ils sont en garde à vue, non? Tu comprends français, oui ou non? Tu ne vas rien avoir ici. Imbécile, là. Kinkeliba. Kamenamle. Dégage! Non, stop! L'affaire est très délicate. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, mon commissaire, les enfants sont bel et bien les enfants du défunt. Qui n'a pas d'enfant dehors? Qui? Ah non. Par contre, moi, mon commissaire, je ne suis pas d'accord. Quoi? Si ce sont ses enfants, pourquoi les avoir cachés? Ah, mais écoutez. Quelle histoire! Lui, il est parti et nous laisse avec plein de problèmes. Voilà. Ah oui, mon commissaire. C'est pour ça qu'on demande toujours de déclarer les enfants, même ceux conçus hors mariage. Madame. Moi? Oui, vous. Qu'est-ce que vous voulez?
Madame, j'ai tout entendu. Tu as raison. Mais comme les policiers sont bizarres là. Comment ça bizarre? Tu sais pas. Ta co-épouse a intoxiqué les policiers. Donc il faut que quelqu'un intervienne auprès du commissaire pour établir la vérité. Oh, vraiment, merci monsieur. Merci beaucoup. Dieu vous le rendra au centuple. Merci. Il faut laisser Dieu là où il est. Ça là, c'est pas affaire de Dieu. Il faut faire quelque chose, on va faire. Moi, une pauvre veuve. Ah, il n'y a pas de yelle. Ceci là, ils ne connaissent pas veuve. Il faut rester là. Bon, au revoir. Monsieur, revenez. C'est combien? Comme tu es veuve, et puis tu es dans la douleur là, donne ce que tu as. Il faut donner. 5000 francs seulement. Les temps sont durs, ouais. Non, ça là, ça peut même pas mettre l'essence du commissaire. Tu dis que l'essence coûte cher maintenant là. Allah. Ah, ya. Il ne me reste plus que 3000 francs. 8000. Vraiment, je n'ai rien. Bon. Ça, je vais voir ce que je peux faire. Vraiment, mais merci. Je ne te garantis rien. Mais... merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, monsieur. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Nos affaires? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme maman, ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont en train de ramasser nos affaires non. aussi. Monsieur le commissaire! Commissaire, aidez-moi, s'il vous plaît. Je crois que la meilleure solution, c'est... Monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire, aidez-moi. Ils sont en train de ramasser mes affaires aussi. Non, deux heures. Mais trop, c'est trop quand même. Mon commissaire, c'est quelle famille de profiteurs comme ça? Voilà, si quelqu'un ose faire ça à mes épouses, je ressors de ma tombe, quoi. Et il aura affaire à moi. Bon, Mona. Oui, mon commissaire. Brigadier. Mon commissaire. Allez-y, m'arrêter ces pilleurs de veuves. Mon commissaire Rock est sorti avec la fourgonnette. Mais non, on ne peut pas attendre ça. Bon. Bon, prenez ma voiture. Et filez rapidement. Ça, c'est mon collègue de Dory. Mon commissaire poursuit-là. Transmettez-lui mon bonjour, mon commissaire. Brigadier, on y va. Ok, inspectrice. Madame, venez vous asseoir dehors. Allô, mon cher Pousse. Comment bougent les choses à Dory? Mon commissaire, comment sais-tu que c'est mon appel? Je n'ai encore rien dit là. Avec le système d'identification de l'appelant de l'Onatel, eh bien ton nom et ton numéro s'affichent dès le premier coup de sonnerie. Ah bon? C'est très pratique ça. Oh, arrêtez ça immédiatement! Au nom de la loi, je vous arrête pour violation de domicile et pillage de biens d'autrui. Mais comment ça? On applique les décisions du conseil de famille. Biens d'autrui, ce sont les affaires de notre frère. Hassan, sorry, c'est vous qui osez me faire ça aujourd'hui? Vous là, vous n'avez pas le droit de spolier la veuve. Remettez-moi tout ça à l'intérieur et vite! Exécution-la! Allez! Allez, plus vite là! Ça suffit maintenant. Remettez-moi vite ces affaires à l'intérieur. Espèce de vautour. Comment vous osez faire ça? Vous, des femmes. Hé, hey, c'est la coutume et nous l'appliquons. Quoi? Elle doit repartir chez elle comme elle est venue. Ah. Regardez-moi ces femmes-là, vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle, avec des idées aussi archaïques. Selon la loi, les affaires appartiennent à la veuve et à ses enfants. Remettez-moi immédiatement ces affaires à l'intérieur. Sinon, vous allez goûter à ma matraque. Allez-y là! Ramassez! Allez! Bonjour, monsieur. Bonjour. Et vous voulez voir quelqu'un? Il y a un problème? Non, mais parce que dans ce commissariat, on ne rentre pas au hasard. Et comment on rentre dans ce commissariat? D'abord, il faut passer par moi, Chouchou.
Sinon, la porte est fermée. On ne rentre pas. Je suis notaire. Et tout ce que vous dites peut se retourner contre vous. Je vous écoute. Non, rien. La porte est ouverte. En fait, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Donnez-moi votre sac. Je vais vous accompagner. Non, merci. Je connais la route. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut peu, on va voir. Tu as fait ton mélange jusqu'à... Voilà, toi, au cocoroco. C'est ça. Ah ouais, le chien aboie, mais la caravane passe. Oui, en attendant, le chien a la queue et entre les jambes de honte. C'est toi qui ressembles à la honte. Nos jours, regarde. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je viens te solliciter un agent pour aller lire un testament. Ah, il faut que moi-même je fasse mon testament. Parce que la scène que nous avons vécue ce matin, c'est affreux, c'est même scandaleux. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, imagine-toi. Toute une famille qui s'entre-déchire à cause de l'héritage d'un monsieur qui vient à peine de mourir et d'être enterré. Intéressant ça. Qui est le défunt? Un certain Issa Balima, un entrepreneur de la place. C'est justement son testament que je dois aller lire. Ah, dommage, je n'ai aucun agent sous la main. Ils sont tous sortis pour la même affaire. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, on patiente. Le temps qu'ils arrivent. Assieds-toi. Merci, commissaire. Mais tellement carte fait. Kemen Durta. Je veux carte tellement. 2500. Ah. Et Adoyo, on t'a nyalo. Mettez pour moi. Vous avez demandé une carte de combien? Kemendour, 2500. Là, il a Soso. Toi, tu n'as pas peur de Dieu. Il a mis une carte de 1000 francs. Hmm? C'est faux. Son, Nani Kawari. Ah, j'ai mis pour 2500. Regarde comment ça va dire. Kawari, c'est quoi? Kawari, c'est quoi? Vous allez tout comprendre ici. Regardez comment ils sont arrêtés. Brigadier. Inspecteur. Enfermez-moi ces pilleurs de veuve là. On verra leur cas après. Ok, inspecteur. Madame, suivez-moi dans le bureau du commissaire. Allez, avancez là. Allez. Regardez-moi des gens comme ça. Allez-y. Le défunt lègue tous ses biens à la maison des enfants handicapés de Tampa. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Silence là, on n'est pas dans la rue. C'est pas tout. Toutes mes deux femmes m'ont menti. Quoi? J'ai découvert ma stérilité lors d'un examen. Je suis stérile depuis ma naissance. J'ai compris qu'aucun de mes enfants ne m'appartenait. Par conséquent, je lègue tous mes biens à une œuvre de bienfaisance. Maman, mais c'est quoi cette histoire? Mesdames, les hautes herbes peuvent cacher les pintades, mais jamais elles ne peuvent étouffer leurs cris. La vérité finit toujours par éclater. Et les enfants, même si on a faim, on ne doit jamais mettre la main dans la marmite de la belle-mère. Il faut éviter certains comportements et servir de bon exemple dans tous les domaines. Vous allez méditer ces paroles. Ok? Qu'avez-vous? Les gars, encore une fois, vous avez fait un bon boulot. Mes félicitations. Maintenez le cap. Dégagez. Mon commissaire. Allez, débarrasse mon bureau de tout ce beau monde-là. Allez. Au commissaire de Tampi, tout finit par se savoir. Et on ne met pas toujours en prison. Allez, Ous, dehors. Dégagez du bureau du commissaire. Allez, madame. Allez, debout.